The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. Nous revoilà pour ce deuxième jour de survie. Bonjour, bonjour, tout le monde, comment que vous allez bien? Bonjour, bonjour, coucou. Non, tais-toi. Moi je retourne à ma vie. Je vais pas dire la suite, ne t'inquiète pas. Plus sérieusement, je continue donc les petites murailles. Enfin, je continue les genres de petits créneaux que j'ai fait autour de la muraille. Je trouve ça très joli, personnellement, vous me direz ce que vous en penserez. Quelqu'un... Et surtout, je trouve que c'est... Quelqu'un peut venir dans ma ligne, s'il vous plaît? Non, moi j'aime pas miner, et en fait... Je pense que nous sommes en pénurie de bois, donc je vais aller en chercher. Il faudrait non, quelqu'un... c'est bon, je peux m'en charger. Il faudrait quelqu'un qui vienne dans ma... J'arrive. Oh, il faudrait quelqu'un qui vienne dans ma ligne pour me dire à combien de... à quel coup je suis tout en bas. Elle est moche, ta mine. Ah. Non, sinon je blague. À quel coup je suis ici là? Quelqu'un a du bois. 33. D'accord. Quelqu'un a un tout, et juste un tout petit peu de bois parce que c'est vrai qu'on a vraiment rien, c'est chiant, j'aurais cru que... Moi j'ai deux bâtons. Moi j'ai vraiment plus rien quoi. Moi j'ai deux bâtons. Non bah c'est bon, tant pis. Je me prends juste 3 de bois dans ce cas. Et puis je vais en couper. J'ai des bâtonnets si tu veux et de la pierre. Ah moi je veux bien un peu de bâtonnets. Merde, ma pioche est pétée. Mes trois derniers, pardon. J'en ai pas besoin de trois, j'en ai besoin de deux. Mais c'est pas grave, tu gardes le troisième, c'est pour une épée, voilà. Oh, et merci. Dieu, c'est quoi cet arbre? En même temps, c'est le but, c'est de vivre en commun. Quoi, quel arbre? Je sais pas, il y a un arbre là, il est trop chelou. Mais il ça doit être un arbre de jungle qu'on a planté hier. Dans ce monde apocalyptique, on dirait que les arbres poussent vite. C'est ça? Ah non, ça c'est juste un arbre à branches, mais qu'on a planté aussi hier. Bah moi je suis content, il donne plein de bois, hein, mais bon. Je suis con, je me suis fait une pioche. Moi j'en ai besoin, j'ai plus de pioche, j'en ai besoin. Ok, par contre elle est en pierre. Hein. Bah oui, c'est ce que je voulais. C'est où? Attends. C'est merde. Je vais plutôt chasser, pour rechercher de quoi, au moins de quoi se nourrir. Bonne idée. Mais il y a beaucoup de poissons, hein, avec ce qu'on a trouvé dans les coffres. Ouais, mais un mois et quelques... Les poissons, le problème, c'est que ça finira par s'épuiser. Et le mieux, ça serait qu'on... Des c'est vrai, mais bon, quand même, on a à peu près 80 poissons, ça devrait le faire. Faire des champs. Les champs, ce serait bien, mais il faudrait peut-être agrandir la muraille, à moins que vous vouliez les faire en souterrain. Ah ouais, un souterrain, c'est bien. Oui. Et il faudra beaucoup de torches. Ah oui. Il nous faut, déjà pour ça, il nous faut du fer, j'ai envie de dire. Non mais, j'en ai mis 5 dans le coffre, mais c'est pas des lindos. C'est... Oula, j'entends des bruits de zombies. Oh, il y a un zombie sous moi. Et vas-y, comment il est là, alors qu'il fait? C'est bon, j'ai une épée. Parce que attends, jour... il fait jour et il se ramène pour nous taper. Ils doivent se réfugier la nuit. C'est l'ombre. Se réfugier c'est quand t'es à l'ombre, il y a quand même les zombies peuvent apparaître quand même. Ils sont malins, ils se réfugient dans l'ombre. Ah, c'est malin un zombie, hein. Ça a pas de cerveau, mais c'est pas con. Bah, ça mange des réfugiez-vous dans les ombres. Oh, ça fait trop classe. Ça me fait penser, hey, hein. C'est trop classe. Eh, hey, mais ouais, tu l'as les enfants. Eh, hey, pandémique, tu l'as géré le bâtiment, ça fait trop classe, hein. Eh oui, je sais, je suis un. Dans la vie d'antan, j'étais une sorte d'architecte, si vous voulez. Prends pas la grosse tête, mais tu l'as géré quand même. Oui, non, mais c'est vrai, j'étais architecte dans la vie d'antan, un architecte généticien qui voulait détruire la société. Enfin, bon, c'est une autre histoire.
Ouais, oui, notre histoire, j'espère. Je vais explorer. Bonne idée. Plutôt que de dire des conneries. Bonne idée. Oh, l'herbe est grisâtre, c'est immonde. Bah. Je pense que je vais équiper la maison de portes parce que les zombies peuvent les casser, ça les ralentira à différents endroits. Ok. Oh, je viens de voir un truc vraiment bizarre, c'est un sort de camping, comme s'il y avait d'autres personnes avant nous. Il y a deux voitures et une sorte de camping-car. Nous ne pouvons pas laisser d'autres, Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je fais quoi? Je rentre ou je m'éloigne? Rentrer. Éloigne-toi, non, éloigne-toi et on ira tous ensemble. C'est tout ok, bien. Comme tu veux. Et pas la nuit. Oh, des cochons. Vive le cochon. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Ah, il a l'air rance. Écoute, machin, ta gueule. C'est pas parce que la société est détruite que tu dois dire des âneries comme ça. J'ai trouvé de la redstone, mais j'ai pas de terre pour le miner. Ça t'apprendra. Bah, je peux t'en faire une, pioche en fer. Vas-y. Les enfants, je crois que je me suis perdu. Ah non. Peut-être pas. Les enfants. Ouais. Bon, les enfants, je viens de me rendre compte que il y a aussi une sorte de manoir ou de truc. Il y a des coffres, mais bon, ça a l'air assez sombre. Et je pense que bon, il y aura du monde là-bas, que c'est pas une excellente idée de d'y aller tout de suite. Donc je rentre. Oh, un village et des maisons. Qu'est-ce qu'il y a, Kyrion? Bon, Kyrion, je t'amène une pioche en fer. Ok, et dis-moi à quel coup je suis tout en bas. Pas de problème. Oh, du fer. C'est marrant, je viens de voir aussi une salle qui est une salle à ma tête creusée. Vas-y, file-la moi après. Enfin, ramène-la dans le coffre. Attends, je te file le fer. Tiens. Mais bon, c'était pas une bonne idée, je crois que je vais me faire agresser. Et prends-le. Elle est juste là, voilà. Ok. Attends, je te dis à quelle couche tu es, c'est à la 7e couche. Cool, c'est parfait pour l'univers. Mais c'est quoi ce que vous appelez ces couches exactement? Bah, la couche 0, c'est la couche de bedrock. La couche 1, c'est les pierres qui sont juste au-dessus de la bedrock. La couche 2, c'est. Bah, enfin, vous me dites des choses, mais vous savez, j'ai jamais été mineur, donc ça m'a. Je ne peux pas, je m'y connais pas vraiment, quoi. Je suis navré. Moi, je m'occupais des rails. Hein. Des rails? Ouais. Réseau ferroviaire. Ah bah tiens, j'ai rencontré le bédrole. Oh, me revoilà, non, je retrouve pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez à la SNCF? Voilà, c'est ça. C'est vous les enfoirés qui nous faites tout le temps louper notre train! Ouais. Oh, ciel, un zombie, c'est mon devoir de le démembrer. Oui, bonne idée. C'est fait, il n'a plus de tête. Bien joué, mission accomplie. Oui, cependant, je suis relativement endommagé. Comment se fait-il que les arbres volent? Aïe! Nous devons. Oh, Mickey est mort! Oh, Mickey est mort! Non! Il va falloir aller chercher son âme à un totem de résurrection. Que dites-vous? Il va falloir aller chercher son âme à un totem de résurrection. Comment allons-nous faire ça? Il faut trouver le totem. En attendant, le fantôme de Point Minute va nous hanter. C'est pas possible. Quelle a été la connerie d'attaquer les zombies? Venez, Robo Warrior, nous devons aller sauver notre ami! Oh oui, je finis juste ça. J'ai rien à battre. Je pars à la recherche du totem. Attendez-moi, il faut pas partir tout seul, il va faire bientôt mieux en plus. J'arrive. Nous allons devoir rester en alerte et nous couvrir l'un l'autre comme de vrais frères. Aïe. Je vois que vous avez un casque en cuir. D'où provient ce casque? C'est
C'est un casque de conducteur de train. Si vous n'avez pas remarqué. Mais donc, je comprends pourquoi les billets sont si chers, hein. Un pauvre casque en cuir. Bon, allons à la recherche du totem. Puisque c'est ça que vous dites qui pourra sauver l'âme de notre ami. Non, sauver notre ami. C'est l'âme qu'on doit aller chercher. Mais où est son cadavre? Bon. Mais qui a fait... Qui a... Oh, les boulets. Je vois ses items. Son équipement, prenez-le. Je prends. Allez, on y va. Mais nous n'avons aucune idée de où il se trouve. Il avait parlé. Peut-être son esprit pourrait nous guider. Je propose d'aller vite visiter les ruines avant qu'il ne fasse nuit. Peut-être que le totem sera. Je vais aller voir plus loin. Il avait parlé d'un village. Où êtes-vous? Un village. Nous n'avons pas le temps de penser à ça. Peut-être qu'il y a le totem. Oh. Les zombies sont passés par là. Des ressources, je les prends. Qu'y avait-il? Un coffre? La canne à sucre. Ah, il y a des zombies dans les... Un cimetière. Un cimetière? Oh putain. Un cimetière là-bas. Je vois son âme. Tu vois qu'il y a... Oui, son âme flottait dans les airs. Oh oui, c'est nuit. Le totem là-bas. Foncez, je les retiens. Zombie de malheur! Foncez! Je nage. C'est bon, j'y suis. Tiens, je ne peux pas. Dépêchez-vous! J'ai pris son âme. J'ai récupéré.